Salut à tous les amis, c'est Vadim. Et aujourd'hui, on se retrouve sur une toute nouvelle vidéo sur Boom Beach. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu, mais c'est pas grave. Saison 15, des jeux de bombes. Alors pourquoi ça s'appelle comme ça? Bah, c'est très simple. Donc je vais juste vous montrer ici. Vous voyez quoi? Vous voyez les bombardiers et les grenadiers. Magnifique? Magnifique. Bon, je ne sais pas améliorer encore les grenadiers parce que les troupes d'après, donc il y a une nouvelle troupe, donc c'est pour ça que je vous montre pas. Donc vous voyez vite fait Zuka. Mais il y a Gros Bras, etc. Mais il y a une nouvelle troupe qui est liée. Donc. Avec le début du monde, c'est génial. J'ai envie de la tester, mais ça pour la prochaine vidéo. Donc, si vous voulez vous spoiler entre guillemets, vous pouvez directement aller regarder sur Boom Beach si vous avez le jeu, etc. Regardez trop. Mais ça, c'est si vous voulez vous spoiler. Sinon, il y aura un test du niveau max normalement. Il y a 22 jours, donc ça c'est cool. C'est une bonne saison. Ça dure pas mal de temps cette fois. C'est nice. Alors, on y va directement au combat. Alors oui, mais mes bombardiers sont niveau max, donc ça c'est. C'est cool, donc niveau 5. D'habitude, le niveau max est niveau 22. Voilà, comme pour retenir facilement, c'est niveau 22 d'habitude le niveau max. Souvent, c'est le cas en tout cas. Donc, tout le test de troupe, normalement, dans la description, je mets quel niveau c'est. Donc, vous pouvez aller voir dans les anciennes vidéos de test de troupe et vous verrez que souvent, le niveau max, c'est niveau 22. Donc, ceci étant dit, nous allons attaquer. Donc, qu'est-ce qui est le plus dangereux pour les bombardiers, etc. Les canons à longue distance. Qu'est-ce qui est à longue distance dans la base ennemie? Là, on a tour de sniper qui est à longue distance. On a, mais c'est pas encore trop dangereux, même si ça tire assez rapidement. Et on a surtout le gros problème, c'est les mortiers. Pourquoi? Parce que ça tire dans l'effet de zone, et vu qu'on a plusieurs gars, ça nous fait un gros dégât sur plusieurs personnes. Donc, ça, c'est assez embêtant. Mitrailleuses sont pas du tout embêtantes. Les canons peuvent l'être parce qu'il y a des fois les bombardiers et les grenadiers sont parfois débiles et ils avancent trop en avant. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, si vous avez amélioré vos grenadiers au niveau max, il y a un autre moyen de jouer, donc on va vite zapper tout ça. Donc, il y a un autre moyen de faire, c'est vous mettez vos grenadiers, enfin plusieurs grenadiers devant, ils vont servir à absorber les dégâts, alors que les bombardiers vont être derrière et vont tirer justement et faire tout plein de dégâts. Voilà, c'est une petite technique, voilà. Si vous n'avez pas d'idée, tout simplement. Hop. Donc là, ça passe. Donc il y a des mines, elles font assez full dégâts quand même. Mais ça va, et on a fini. Donc normalement, on a gagné. Donc, non, 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 100%. Ouais, on a gagné. Boum. Boum, boum, boum. Et on obtient. Oh, on est passé d'ici direct. C'est magnifique ça. Hop, du coup j'ai vite amélioré l'électrocution. Pourquoi? Parce que c'est quand même mieux quand on est. Oh, tiens, ça aussi. Parce qu'il faut quand même avoir un peu plus de secondes. Pour dans le futur, je sais pas si j'en aurai besoin ou pas. Hop, hop, hop. Ah oui, et donc pour répondre, enfin, si vous posez la question pourquoi est-ce qu'il y a moins de vidéos qu'avant? Simple, j'ai commencé à faire des études. Donc, fatalement, j'ai moins de temps pour moi. C'est logique, c'est logique. Donc, il y a moins de vidéos, c'est pour ça. Mais je vais quand même essayer de les faire. Hein. Je dis pas que j'ai pas le temps. Je peux essayer. Je peux essayer. Très clairement. Et c'est ce que je vais faire. Donc, pour ça qu'il y a cette vidéo aussi. Et pour ça qu'il y aura très bientôt Clash Royale aussi. Et je vais essayer d'avoir 4 aussi. Parce que j'ai un truc à faire là-dessus aussi, quoi. Et puis voilà. Je pense que ce sera déjà pas mal. Et puis après du Boom Beach, évidemment, vu que je vous ai annoncé l'autre truc. Il y aura 100%, il y aura une vidéo dessus. Hop hop hop, enfin 100% sauf s'il y a un gros problème, mais faut qu'il y ait un gros problème. Hop hop hop, et on est porté dessus. Dun 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 dun. Et c'est remporté. Donc là, c'est assez court les batailles parce qu'en fait il n'y a que deux zones. Mais je vous conseille également de diviser vos gars en deux parties parce que souvent ouais, ils font comme moi, vous voyez. Donc vous divisez en deux. Alors moi, ce qui est intéressant dans ce que j'ai fait, c'est je mets des lignes de mine, donc c'est parce que souvent, enfin, s'ils divisent pas, alors ils partent tous de ce côté-ci, et puis ils montent, et puis voilà, ils passent sur les mines. Alors bien entendu, ils peuvent contourner en mettant les trucs par ici, comme les fusées éclairantes, ce qui va permettre de passer sans choper de mine, c'est possible. Mais après, de toute façon, quand il va monter, à part s'il fait faire gaffe, mais ça va être très chaud. Il va se prendre les lignes de mine ici normalement.
Voilà, sauf si les grenadiers les désactivent, les désamorcent. Oh punaise, j'ai toute une lignée de combat là, de victoire. Donc ça c'est pas mal. Donc moi le gros problème, mon gros défaut c'est que les grenadiers sont très très bas niveau, mais enfin je vous ai dit pourquoi. Hein. Donc là-dessus il n'y a pas de problème. Donc là vous voyez c'est pareil, là je vais devoir me diviser je pense. Et vous voyez c'est très chiant parce qu'il a mis beaucoup de mines en fait. Sur cette zone là, donc il est pas bête du tout. C'est très malin ce qu'il a fait. Donc moi je vais mettre hop 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 hop. Ici je vais peut-être en mettre les deux de ce côté. Et ici je mets un petit zap. Et ici encore un parce qu'il va me tuer sinon. Ah, il m'attaque ici aussi, c'est super ça. Donc vous voyez, le canon vient de me tuer un homme, hein. Donc vous avez vu, hein. Donc il faut faire très attention. Parce que ça a l'air d'avoir une courte distance et tout, mais ça peut vous faire des dégâts. Alors hop, ça désactive les mines. Enfin, c'est les désactive. Il se suicide dedans, quoi. Hein? Mais ça les désamorce. Hop. Et encore, ça désamorce à fond les mines. Hein. Hop. Voilà, encore un au moins. C'est magnifique, hein. J'adore quand il meurt. C'est perfecto. Attendez, mais attaquez ça, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Normalement, il y aura une ligne. Hop, 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 hop. Et c'est fini. Ouais, donc c'est vraiment un truc où on lance les grenades, quoi. Bombardement. Touloulouloulou. Et on a reçu, là, je pense, c'est une défaite, par contre. J'ai l'impression, je sais pas. Oh non, une victoire. Je vais bientôt passer 11, c'est un truc de taré. Déluge de bombes. Bah oui, c'est ça. Je cherchais le nom du truc, mais wow, c'est un truc de malade. J'ai déjà 11. Truc de ouf. Et là, je suis contre un 11, c'est super. Très équilibré. Enfin, c'est pas grave. Il a comme moi comme boost. Il a plus 50%. Il a tout niveau max. Mais après, je sais pas s'il a les grenadiers niveau max ou pas. Ça change tout, évidemment. Enfin, ce qu'il a amélioré, quoi. L'électrocution, c'est quand même priorité, je trouve. À voir, parce que ça sert dans tous les cas. Avec n'importe quelle troupe que tu as, ça sert. C'est utile. Hop, 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 hop. Donc, moi, là, je divise en deux, bien entendu. Mets-toi, s'il te plaît. Hop, hop. Voilà, donc là je l'ai totalement divisé très. Enfin, parfaitement en deux. Ouais, j'ai bien fait d'ailleurs. Parce que ça a l'air d'être assez bien. Ah, il m'a eu. Il m'a eu, j'aurais pas dû zapper. Sur ce petit gars. Et voilà, regardez le canon encore qui tire et qui abat un méga. Donc, c'est assez dangereux, hein. Ça a l'air vraiment d'avoir une courte portée, etc. Mais ça n'a pas une, hein. Donc là, il va me tuer. Même pas. Parfait. Alors, ça, on zappe. Sont tous morts. Allez, on rezappe. Putain, ils vont tous crever, c'est pas possible quoi. Bon, s'il vous plaît, allez les gars. Un peu de sérieux. Moins un, encore un, s'il vous plaît. Parfait. Ça devrait le faire. Hop. Ah non, abattez ça. Oh, comment ils ont avancé pile au moment où il a tiré. C'était pas mal. Ah, c'était beau. La boule a tiré, bim, ils ont avancé. Une seconde avant et ils étaient morts. Là, je pense qu'il a gagné. Ouais, il a gagné. Ah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, j'avais une bonne filée de victoire, quoi. Saleté. Salopard. Salaud, salopard. Hop, je vais en prendre un. Comme ça, j'aurai plus de personnes à sacrifier. C'est triste de dire ça, mais c'est le cas. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2. Perfecto. Hop, on zappe. Hop, on zappe. Ça devrait le faire. Alors, est-ce que ça désamorce des bombes ou pas du tout? C'est la question. Pas du tout. D'accord. Ah, si, 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 un petit peu, un petit peu. C'est bien, c'est bien. Ouh là là, ça, j'ai zappé. Top, les tirs. Boum. Voilà, donc les mitrailleuses, vous voyez, elles font vraiment. Enfin, elles sont pas du tout embêtantes là pour cette fois. Donc ne prenez pas les mitrailleuses en prio du tout. Hein. Faudra les prendre par après parce qu'il y a justement les Zookas. Donc il y a peut-être des personnes qui vont jouer Zooka, des personnes qui vont jouer. Il y a également des gros bras. Donc faites attention pour après. Allez tirer là-dessus, s'il vous plaît. Dong, 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 dong. Ouais, c'est vraiment un déluge de mouvement. Hein. Bon, il y a full, full, full grenade. On va visionner l'adversaire parce qu'on a fini avant lui. Donc vous voyez, ils prennent plus de grenadiers que moi, hein, par exemple. Mais je pense qu'ils ont plus haut niveau aussi. Donc voilà, donc faites ce que vous voulez. Hein, c'est toujours une compo qui est selon vos améliorations, etc.
Donc moi par exemple quand... Bah c'est parfait, on est passé 11. Donc moi par exemple quand... Allez ça on va améliorer niveau max. C'est parfait. Comme ça j'ai économisé pour le reste. Donc comme vous voyez, moi je les ai pas améliorés niveau max, hein, du tout. Donc ça, je sais pas si je peux encore l'améliorer. Normalement c'est ce que je fais d'habitude. Parce que c'est quand même 9 secondes, c'est énorme. C'est que tu doubles quasiment le taux. Vous n'avez pas vu la nouvelle troupe, hein? Vous n'avez pas vu, c'est bien. Ouais, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Et on est reparti du coup pour une toute dernière attaque. Contre un niveau 11, ça charge tout de long. Parfait. Ok. Donc pareil, il faut se diviser, je pense. Ton, ton, ton. 1, 2, 3. 1, 2, 3, piano. Allez. Donc ça, on va zapper. Ça, on va zapper. Ah, la mitrailleuse qui a voulu tirer. Hein. Et... T'es tombé sur la mauvaise personne, mitrailleuse. Elle nous a fait des dégâts, en vrai. Elle nous a fait pas mal de dégâts. Hein. Ouh là là. Ok, ça va. Ok, il y a le truc qui a balancé sa grenade. Ah d'accord, donc ça continue. Qu'est-ce que je zappe ça? Ouais, c'est pas mal. Ça fait du taf. Alors le problème... Allez, allez. Faut se barrer de ce côté. Parfait. Alors le problème c'est qu'ils vont tous aller de ce côté-là, du coup. Mais c'est pas un problème en soi non plus. Voilà. Attends, je pense que je peux faire ça. Et totalement zapper. Je pense que ça peut le faire. Et là, ils lancent leur grenade. Boum. Voilà, ouais, c'est parfait. Donc sur ce, moi je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres contenus de ce genre ou juste parce que vous m'aidez, hein, c'est très gentil aussi. Et d'écrire en commentaire, ce serait encore plus sympa. Oh, j'ai perdu... Bah tiens, hop. Et c'est parfait. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette saison 15 de Bombi, donc déjà 15, c'est énorme. Et on les a toutes passées ensemble, c'est magnifique quand même, c'est un chouette truc. Déluge de bombes. Voilà, donc prochaine vidéo de nouvelles troupes. Allez, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao. Portez-vous bien.